effectivement, on a entendu parler des droits de l'homme. On sait ce que c'est. On a également entendu parler du droit à la santé. C'est quelque chose qui nous parle. Mais est-ce que vous avez entendu parler des droits sexuels? Eh bien, c'est un projet qui est en cours, que j'ai lu, dont je vous donnerai les liens, parce qu'il faut absolument que toutes les familles soient au courant de ça. C'est un projet qui s'apprête à mettre la loi au service du sexe. Ah, les droits sexuels. La source que j'ai trouvée est du Planning Familial International, l'IPPF. Mais ce sont des documents qui circulent avec le tampon de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est le droit sexuel? Eh bien, c'est le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. Et ça va être un droit. Ça va relever du droit, donc de la loi. Voilà. À l'ONU, une certaine Najat Vallaud-Belkacem, bien connue des internautes de ce site, a dit « La santé et les droits sexuels et reproductifs doivent devenir une question prioritaire. » La priorité, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'horreur et l'enfer qui s'avancent. Non, c'est le fait de pouvoir ou non octroyer des droits sexuels. À qui, au fait? Ah bien, à tout le monde. Toute personne aura le droit d'exercer sa liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Je crois que ça n'existait pas. Enfin, je rappelle que Madame Najat Vallaud-Belkacem a prétendu qu'il n'y a guère que l'identité de genre, que le problème de genre n'existait pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. Et de droits sexuels sans intrusion arbitraire ni limitation. Les droits sexuels sans limitation. Ça veut dire que l'interdit religieux va devoir être combattu. L'ordre public et la moralité publique devront donc être combattus puisqu'il ne faut plus qu'il y ait de limitation ni d'intrusion arbitraire. Donc il va être interdit d'interdire. Ça rappelle vaguement un certain programme de mai 68. À qui ces droits sexuels vont-ils être accordés? Eh bien, à tout le monde, y compris aux déviants de toutes sortes. Les droits sexuels sont les droits sexuels inaliénables et indivisibles. Les acheteurs d'enfants sur Internet seront bien évidemment, feront partie de ceux qui pourront faire valoir leurs droits sexuels. Et ce sont des droits qui vont être reconnus aux enfants. Eh oui, le droit d'exercer le contrôle sur ce qui touche à sa sexualité, de choisir, là je fais une citation, de choisir ses partenaires sexuels, de rechercher à atteindre son plein potentiel et plaisir sexuel, et ce dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accorder des droits sexuels aux enfants en fonction de leur capacité évolutive. Eh bien écoutez, quel est l'âge à partir duquel on va pouvoir considérer que les enfants ont des droits sexuels? La réponse est venue de la bouche de Ban Ki-moon soi-même, qui le 30 mars 2012 à l'ONU a fait savoir que ce sera 10 ans. À partir de 10 ans, les enfants pourront jouir de leurs droits sexuels. Alors évidemment, à partir de 10 ans, ça veut dire que les droits sexuels des enfants vont s'opposer aux droits des parents. Écoutez bien ce qu'affirme le planning familial rédacteur de cette horreur. Les législations qui restreignent l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et procréative, c'est devenu de la santé. Et même celles qui prévoient un consentement obligatoire des parents ou du conjoint doivent être abrogées ou rester inappliquées. Ces droits seront revendiqués contre, tenez-vous bien, toute intrusion arbitraire ni limitation fondée sur des croyances culturelles ou l'idéologie politique dominante ou sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. Ça veut dire que la morale, l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique et la religion sont discriminatoires. Donc on va s'en séparer. Je rappelle, pour mémoire, qu'il n'y a pas de relation sexuelle sans partenaire. Il faut être deux a priori. Donc faire valoir des droits sexuels, ça donne des droits sur autrui. Sinon, je ne vois pas comment on peut appeler ça un droit. Toutes les civilisations du monde ont édicté des normes qui s'opposent à ces droits. C'est l'ouverture d'un droit au viol, à l'exhibitionnisme et à la perversité. Il est dit que les États doivent prendre des mesures interdisant à toute tierce partie de compromettre les garanties inhérentes aux droits humains.
comme les parents, les églises ou les associations. Eh bien, imaginez-vous qu'on a oublié personne, on a même pensé aux migrants. Et oui, dans le projet qui date de 2008, il est fait état des droits sexuels des migrants. Alors on a vu à Cologne, le 31 décembre dernier, ce que c'était que les droits sexuels des migrants, quand des hordes de populations exogènes se sont ruées sur les femmes allemandes. Pourquoi ? Bah, ils avaient bien le droit, ils avaient besoin. Je vais vous dire quelque chose de plus grave encore que ce que tout le monde a su qui s'était passé à Cologne. Et encore, on l'a su parce que des gens se sont acharnés à faire valoir quelque chose qu'il était tout à fait question de cacher. Il y a eu 2 semaines auparavant, juste avant Noël, à Vienne, dans une piscine, un migrant irakien, d'origine irakienne, je n'incrimine pas l'Irak bien entendu, ce qui va sans dire va mieux en le disant, un migrant irakien qui était en train de se baigner, c'est bien, hein, migrant arrivé, il a déjà son droit à la piscine, il a été brusquement pris d'un soudain besoin sexuel irrépressible, mais vraiment irrépressible. Alors il est sorti de l'eau, il est allé dans les cabines, il a trouvé un petit garçon de 10 ans, il l'a violé, puis il est retourné se baigner. Bah quoi ? Il avait des besoins. Et c'est ce qu'il a expliqué à la police qui est venue le cueillir. Il dit, bah oui, j'ai été pris d'un brusque besoin. J'avais un besoin, j'avais une urgence. Il a dit, il avait une urgence sexuelle. Mais il a fait valoir ses droits sexuels. Alors on l'a quand même mis en prison, où la mère du petit garçon a souhaité qu'on lui fasse subir à lui ce qu'on fait en général subir dans les prisons depuis que le monde est monde, à ce qu'on appelle les pointeurs. En attendant, il n'a fait que faire valoir ses droits, non ? Il avait des besoins, il avait donc un droit à les satisfaire. Il est également dit dans cette déclaration que toute personne a le droit d'avoir ou non des enfants biologiques ou adoptifs. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? On a le droit d'avoir des enfants adoptifs, donc on a des droits sur les enfants qu'on n'a pas fait, donc on a des droits sur les enfants des autres. Ça vous dit quelque chose qui se prépare ? Et écoutez bien, toute personne a droit à l'obtention de réparation pour violation de ses droits sexuels. Alors là, je vais vous dire, le papa qui m'a fichu une beigne parce qu'il trouvait que j'étais un peu trop maquillée pour aller danser, pour aller sortir, eh ben je vais pouvoir le faire mettre en prison. Ben oui, il a interféré dans mes droits sexuels. Et il est dit, tenez-vous bien, que les enfants auront le droit de se représenter eux-mêmes en justice pour faire valoir leurs droits sexuels. Contre leurs parents, évidemment, contre qui voulez-vous que ce soit. Eh bien, dans tout ces droits, il y en a 30 pages, je vous donnerai le lien, il faut absolument que les Français prennent connaissance de cette horreur qui circule dans toutes les langues, hein. Moi je m'adresse aux Français, mais les autres pays sont concernés. Dans ces 30 pages d'horreur, il n'est nulle part question d'interdire ni l'inceste, ni la pédophilie, évidemment. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'interdire. Alors qui défend toutes ces horreurs ? Alors je vous ai dit, le planning familial américain. Et à l'origine, il y a l'Institut Kinsey, de sinistre réputation. Alors Kinsey, c'est ce pervers sexuel qui a inventé la révolution sexuelle dans les années 40 et 50, 1940-1950. C'est lui, c'est un pervers qui a inventé la révolution du même nom. Mais l'Institut Kinsey est mort depuis longtemps, c'est l'Institut Kinsey, donc l'institut qui porte son nom, qui vient de se voir accorder l'année dernière le statut de conseiller au Conseil économique et social de l'ONU. Eh oui, un institut fondé par un grand pervers sexuel est maintenant conseiller à l'ECOSOC. Et la France de François Hollande, a signé pour l'obtention du statut de conseiller à l'Institut Kinsey. Alors, par qui sont soutenus les droits sexuels ? Bon, par Amnesty International, bon, le planning familial, on a compris, Amnesty International, tout le gouvernement français, avec en tête Madame Belkacem et Madame Laurence Rossignol, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il les défend, Médecins du Monde, le gouvernement américain, tout le monde, toutes les institutions internationales défendent la notion de droit sexuel telle que rédigée en 2008 par le planning familial international. Ça s'appelle de la corruption de mineurs organisée à l'échelle de la planète. C'est l'innocence, la pudeur, l'intégrité des enfants qu'on vise à détruire. C'est l'avenir de l'humanité qui se joue. Parce que le corollaire de ces droits sexuels, c'est l'éducation sexuelle à l'école. Et là, il ne faut pas en rire. Parce que des expériences ont commencé à être pratiquées en France et que c'est l'horreur. Alors, ce qui se dessine et ce qui nous pend au nez, si je peux me permettre, je vais vous donner 3 exemples. En Allemagne, des enfants se sont évanouis à l'issue d'un cours d'éducation sexuelle.
Un père qui s'appelle Eugen Martens, en août 2013, a refusé que sa fille retourne au cours d'éducation sexuelle. Il a été arrêté et mis en prison. Comme sa femme était enceinte, on lui a donné un délai pour aller faire sa peine de prison. C'est d'attendre que sa femme ait fini et ait donné naissance à leur enfant. Autre information intéressante, au mois d'août de 2015, c'est-à-dire l'année dernière, à Marseille, a eu lieu, alors payé évidemment par les deniers publics, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, une exposition d'images à caractère pédophile, scatophile et zoophile. Une horreur, j'ai vu les images, c'est une abomination, et c'est une abomination qui se fait en direction des enfants parce que le graphisme de l'exposition est un graphisme en direction des enfants. Ça se voit, c'est une espèce de façon, c'est une horreur, c'est une abomination. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui ont été alertés ont fait une pétition pour exiger le retrait immédiat de cette exposition. Eh bien, il y a eu une contre-pétition qui a circulé pour demander que cette exposition puisse être reprogrammé au nom du respect à la liberté d'expression de l'artiste. Parce que les deux pervers sexuels qui ont pondu cette horreur sont considérés comme des artistes, et c'est même à ce titre qu'ils ont touché des subventions des pouvoirs publics. Alors, jusqu'à présent, à ma connaissance, l'exposition n'a pas été rétablie, et ce sont les premiers pétitionnaires qui ont gagné, mais imaginez que les droits sexuels soient reconnus, et c'est au programme. Après, on ne pourra plus. Ça sera terminé. On pourra laisser les enfants, emmener les enfants des écoles, voir des abominations comme celles qui ont été montrées à Marseille l'année dernière. Je vais vous parler d'une troisième affaire qui vient de voir son dénouement il y a quelques mois. Elle commence le 9 mai 2014 dans le New Hampshire, aux États-Unis. L'école faisait des cours d'éducation sexuelle, comme c'est maintenant la vogue, partout dans le monde, sur pression des Nations Unies. Mais avant de... dans les jours qui précédaient les cours d'éducation sexuelle, jusqu'à récemment, les parents étaient prévenus de la date du cours et du contenu du cours. Et un jour, une jeune fille, dont le prénom m'échappe, dont le père s'appelle Bear, William Bear, la jeune fille de William Bear, qui a 14 ans, arrive à la maison complètement traumatisée et elle raconte ce qu'on lui a montré à l'école. Le père est furieux. Pourquoi il est furieux? Non seulement parce qu'on a montré des horreurs à ses enfants, mais parce qu'habituellement il était prévenu et que là il ne l'a pas été. N'écoutant que son devoir de père, il a pris ses pieds, il est allé à l'école et il est entré au conseil de classe. Où là, il a dit ce qu'il pensait. La directrice de l'école lui a demandé de respecter son autorité et de ne pas l'interrompre. À quoi le père a dit « Et ma fille, l'avez-vous respectée ?» Qu'a fait la directrice? Eh bien, elle a appelé la police. La police est venue arrêter William Bear, l'a menotté, l'a mis en prison et a réussi à obtenir un jugement de 1 200 $ de réparation pour outrage, parce qu'il avait défendu sa fille. Il a réussi à obtenir gain de cause. C'était pas le genre à se laisser faire. Il s'est battu. Eh bien, imaginez-vous que si l'horreur des droits sexuels passe, on pourra plus se battre. Et ce genre de père restera en prison pour violation des droits sexuels de ses enfants. Ça n'est pas uniquement le sexe qu'on enseigne maintenant à l'école. C'est toutes les perversions. Toutes les perversions. On banalise toutes les déviances et ça passe par l'école. Je vais vous donner une citation que je tiens de Nigel Farage, qui a beaucoup fait parler de lui récemment à propos du Brexit et de son soutien à Donald Trump. Il m'a dit au mois de septembre 2014, je vous donnerai le lien, avec la minute précise où il s'exprime. Il explique, il y a 10 ans, quand les États membres ont dû choisir leur commissaire, les Italiens ont porté leur choix sur un conservateur nommé Buttiglione. Il a répondu à plusieurs interviews. Il a dit qu'il pensait que, en général, il était préférable, tant que les finances le permettaient, que la mère puisse rester à la maison jusqu'à ce que l'enfant soit en âge d'aller à l'école. Ça a été considéré comme épouvantable. Il n'a pas été retenu. Il n'est pas devenu commissaire. C'est là, pour la première fois, que j'ai compris comment ces institutions sont brutalement laïques et viscéralement anti-famille. Suite de la citation de Nigel Farage,
Quand on parle de l'Union européenne, on en parle généralement en termes de politique, de souveraineté, d'un manque de démocratie. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe et qui est une tentative délibérée de détruire nos sociétés. Merci Nigel Farage. Vous savez ce qui se prépare ? C'est la fin programmée de l'enfance et de la famille. Et maintenant, on fait quoi ?